Les vapeurs jaunes, c'est le soufre. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais qu'est-ce qu'on fout là? T'es où? Là, oh, alors là, dehors, ici, là. Derrière toi, là, là. Ah, juste là. Ouh, je suis ici. Je reviens, je vais régler ce problème. Je vais changer... Bouge pas, chérie, je vais changer le fusil. Let's go. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Planet Crafter, un vrai plaisir, regardez cette magnifique base, et bien sûr toujours en compagnie de Ludo. Oh, waouh! Eh ouais! Tu es une abeille? Oh non, oui, bah ça c'est plus une guêpe, hein. Je vais t'écraser. Non, c'est incroyable, les amis, nous avons débloqué le jetpack. Jetpack! Oh là là, c'est incroyable. Et du coup, les amis, donc Ludo l'a crafté. Et moi, je l'ai pas encore crafté parce que je voulais vraiment le faire en vidéo. Mais voilà, nous venons de le débloquer. Où c'est qu'on le voit d'ailleurs dans le déblocage là? Où c'est qu'on le voit? Tu me dis salut là? Eh, tu vas bien? Non, c'est pas là-dedans, c'est ici. Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien et toi? Super. Eh ben, bon aussi. Non, mais. Je vais nickel. En fait, je voulais voir le. Tu sais à quel moment on l'a débloqué? Mais c'est pas un craft comme ça, je crois. Si? Ah bon? Mais, oui, mais on l'a débloqué à un moment donné. Non, mais non, parce que le jetpack c'est une. C'est pas un déblocage via ça, c'est un micro-puce. Oui, directement, tout à donc fait. Donc c'est ici en fait. Voilà. C'est là. Voilà. Donc deux moteurs. Ah, bah oui, je suis con. Oui, c'était. Et con. On a même le T2. Hein. J'avais zappé. Ouais. Bah alors, on a qu'un seul soufre pour le moment, il me semble. Ouais. C'est bref. Le problème. Donc deux moteurs de fusée et un titane. Tu m'avais préparé ça gentiment dans ce coffre. Voilà. Exactement. Cet homme est à Pépon, bien évidemment. Il est célibataire d'ailleurs, si jamais. Oh putain. Et je suis très bien tout seul. Bref. Et voili voilou, messieurs, dames, le jetpack. Ah ouais. C'est incroyable. Non, on s'était fait un bon stock d'aluminium, j'avais pas fait, je me rappelle. C'est vrai, Ah bah, on a un quasi plein quoi. Ok. Alors là, les gars, du coup, on avait fait le retour en off évidemment. Mais alors là, ce qui est super avec le jetpack, vous avez vu, c'est qu'on peut entre guillemets tricher, mais voilà, on va vraiment pouvoir partir. Oh, ah bah, on pourra aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Ah, je vais mourir, bon, c'est pas grave, si je meurs, j'ai rien sur moi. Pourquoi? Bah, parce que j'ai soif. Ah, tiens, t'es où? Attends, je vais essayer de boire vite. Ah. T'inquiète, au pire c'est pas grave si je meurs de toute façon. Tiens, je peux te donner le sens si tu veux. C'est bon, hein, pardon. Alors, parlons peu, parlons bien. Mais on n'a pas de bouffe. Ah si. Alors, si, on commence à avoir des trucs pas mal là. Ça c'est cool. Regarde. Regarde mon bois haricot qui pousse. Oh là là, mais et pour une fois que c'est pas moi. Oh, je suis chaud. Oh, il est chaud ce soir. Alors les gars, juste par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont mis à jour entre temps, parce que le jetpack, regardez. Ceux qui ont suivi mes vidéos à l'époque, quand le jeu était en bêta, le jetpack t'étais à même pas 1 cm du sol et tu pouvais rien faire. Alors que là, alors tu peux pas là, non plus quand aller. Tu pars d'un rocher, vraiment tu peux aller super haut. Après tu vois qu'il redescend, tu vois. Bien sûr, mais je veux dire, même là pour monter les rochers comme ça, là, regarde, hop. C'est tellement plus rapide. Ah, voilà, c'était pas le bon exemple. Et du coup, bah oui, on va pouvoir aller de ce côté-là de la map sans faire tout le tour par l'autre côté. C'est ça. Trop bien. Ah bah, je suis tombé. Ah bah, voilà, hop. Là, tu vois, on peut, entre guillemets, voilà, aller beaucoup plus vite. Et justement, regardez, je vous remontre la vue parce qu'on a de quoi faire hein, dans cet épisode. Je vous remonte là, tac. Voilà. Donc là, tout ça, ce que... Oh non! Bon, si je meurs, c'est pas grave, mais j'ai glitché, je suis passé à travers les rochers. Ah! Ah bah oui, forcément. Mais what? Mais c'est quoi ce oui, jeu? Oui, bon, le jeu, il est pas très très les rochers, voilà. Hein. On va pas... Non mais là, hé, frérot, c'est indécent ce que je passe. En fait, je sais pas où t'es. Donc Ah oui, je passe au sol. Ah, d'accord. Attends, ce rocher, il est physique. Oui, il est physique, c'est bon. C'est bon? Ça y est, j'ai... Donc... Moi, je suis au sommet, là. Je sais pas où t'as tué. Ok, ben moi, je suis passé à travers... J'étais sous le vaisseau, en fait. Tu sais que dans le... En off, là. Tu sais? Ah oui, d'accord. À la fin de la vidéo. Tu es là, logiquement. Quelque part là-bas. Ok. Et je suis passé à travers carrément, c'est indécent ce qui s'est passé. Du coup, ouais, les amis, on avait réussi à refaire le tour, c'était une vraie galère pour se barrer. Et là, du coup, avec le jetpack, bah vous voyez, c'est cheaté quoi, on peut vraiment tranquillement retourner à la base. Ah, ça va être beaucoup plus simple. Ah, pour faire les allers-retours et tout ça, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. C'est absolument superbe. Ah, là, par contre, je peux pas. Ils ont vraiment mis des. En fait, ils ont mis des murs invisibles à certains endroits, mais pas partout, hein.
Mais par contre, voilà, donc je sais pas ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui. Franchement, on a découvert maintenant qu'on peut, aller de l'autre côté là-bas. Et on a découvert le plus gros vaisseau de la map. Bah, du coup, je te propose. Est-ce qu'on ferait pas une petite début d'épisode exploration? Bah, je suis complètement d'accord. Donc, d'abord, on va juste prendre à manger et à boire. Oh, il est big le jetpack dans le dos, j'avais pas fait gaffe. Mais t'as vu, c'est deux gros. Ah ouais. Deux gros. Ouais. 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 Allez! Je vais prendre des champignons, des courges, voilà. Mais toi, prends tout. Pas bouffe, hein, parce que. Mais prends, parce que là, regarde, on aura une fournée nouveau dans pas longtemps, là. Une fournée, ouais. Une fournée. Prends de la flotte aussi, parce que voilà. J'ai. Ouais, t'as raison. Et puis de et l'oxygène. On est... Ouais, bah moi j'ai qu'une bouteille, on a plus de cobalt. Donc, ah voilà. Merde, bon, on verra. Mais c'est pas grave, on va se faire un petit truc et voilà, on va. Et donc là, au lieu de faire voilà. Le tour. Bon, ça fait. Allez hop. Ça fait trois fois que je le fais depuis le début de la vidéo, mais c'est pas grave, voilà. Eh, hey, tu vas voir, tu vas passer à travers les roches normalement. Non. Si, si, avant tu vas j'ai voir. Fait. Si, si. Parce que je passe le même chemin que j'ai pris avant, comme ça je suis sûr de pas passer. Un peu plus à droite, donc, et tu tombes dans le vide. Ouais, bah justement. Pour ça, je reste. Là où je suis passé, ça marche bien. Parfait. Le sol, il est palpable. Ah, oh. Comme dirait. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se jeter dans le vide sans problème. Alors, oui, mais ça, il faut c'est... que tu rappuies. Oui, mais. Oh voilà. Wow. Ah non, mais saute, tu verras, t'auras une. Mais attends, on est où ça là? Ça va tout violer. Bah, je sais pas, écoute. Mais attends, c'est pas du tout là qu'on est censé aller. Ah! Mais oui! Tu sais où on est là? Mais non. Là en bas, c'est la carrière de soufre. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Regarde, les vapeurs jaunes, c'est le soufre. Mais qu'est-ce qu'on fout là? 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 Fallait aller plus à gauche en fait. À gauche ou à droite? Non, à droite, oui, à droite. Oui. Non, c'est à droite, hein. Ouais, t'as raison, je m'en souviens maintenant. Bah attends, viens, on va en bas, on récupère du soufre. Ah bah oui, vas-y, go. Allez, incroyable. Oh mais heureusement, on connaît le jeu, on triche en vrai. Hein. Non, on triche pas, mais c'est des souvenirs. Ah, y'a plus de soufre. C'est des souvenirs, c'est de la triche. C'est des souvenirs, bah oui, hein, c'est... Oh là là, le soufre. Incroyable. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis, le commentaire qui fait plaisir. Ludo, il est trop beau, évidemment, n'oublie pas. Osmium. Mais toi aussi, attends. Merci, beau gosse. Je vais prendre de quoi faire un habitacle, parce que... Oui. J'ai pas envie de claquer ma seule bouteille d'oxygène que j'ai. Oui, bébou. C'est du faire, j'en ai. Oui, bébou. Oh, oui, bébou. Quoi. Oh, oui, bébou. Alors, je sais pas où je vais le faire, je vais le faire ici, il y a un coffre. Allez hop. Ok, il me manque du fer. C'est génial, on adore. Il y a de l'aluminium aussi. Ça, c'est bueno ça. Eh ben, on prend tout ce qu'il faut. Ah, mais non, mais j'ai pas d'oxygène, t'es où? Au plein milieu. Ok. En plein milieu, tu verras, il y a. J'ai pas encore fait, je le fais maintenant. Et on va super vite avec voilà. Le jetpack, hein. Ah, il m'en manque un de fer! J'en ai non un! J'ai! Ah! T'es où? J'arrive! Vite! Tiens, le fer. Le, là! Gimme! Oh, mais arrête de faire des. Allez! Let's go! Let's go, baby! Let's go, c'est parti! Mais il est trop chaud! C'est parce que t'as vu ta copine aujourd'hui, c'est ça là qui t'a fait les cheveux? J'ai vu personne aujourd'hui, je te. Bah. Si, bah oui, y'a moyen. Il est con. Y'a moyen, d'accord. Allez, bah, je lui enverrai la oui, vidéo. Oui, bon, non, elle a. C'est une pote, mais bon, voilà, elle a un gosse donc. Et alors voilà. Bah, elle a un gars du coup. Voilà. Ah, bah voilà, forcément. C'est la sœur d'un de mes meilleurs potes. Alors voilà. Ah mince. C'est embêtant. Est-ce qu'on ouvre le coffre ou pas? Bah, je vais faire un casier juste pour stocker quelques trucs. Oui, mais est-ce qu'il y a pas de fer dans cette truc. Mais est-ce qu'on ouvre le coffre ou pas? Ah, le coffre, inventaire plein. Il est où? Je sais même plus où il est. Ah, il est là en face. Écoute. Non. Non? Allô? On le fait au retour. D'accord. À la limite. Ça marche. On fait ça comme ça. Je peux monter là ou pas? On fait ça comme ça. Allez, let's go. Je vais faire un petit. Si t'as un de fer? Non. Non, là, c'est bon. Ah si, si j'ai un fer. Parce qu'il y a pas mal de, cobalt. Tu sais que si on veut explorer le vaisseau, il nous faut des bouteilles d'oxygène, non? Oui. Ça. Voilà, on peut se faire des petites bouteilles. Ah oui. Je vais chercher un peu de cobalt, vite fait. Excellent. Ah mais idée. Le coffre, il me fait de l'œil un peu. Bah viens, on l'ouvre. Ah, attends, je prends juste le cobalt. Ouais, ici. Non, on attend en vrai, ça sert à rien, c'est on crétin. Attend. Allez, ouais, c'est vrai. Soyons malins. Allez, on récupère un peu de soufre. Attends, mais c'est rigolo, on voulait pas aller là à la base, hein. Mais j'avais même pas vu ça, tu vois. C'est excellent.
Oui, parce qu'en fait, oui, c'est à droite parce ouais. que pour arriver là, il faut passer par les cascades, les chutes là, le... les chutes de sable. Les chutes de sable, ouais, qu'on a vu. Ouais. Celles-là, elles sont à gauche. Non, du coup à droite. Logique. Quand on était en haut de la falaise, elles étaient à gauche là-bas. Mais on les voit là-bas. Non, oui, mais c'est pas de ça. Ah oui, mais je parle pas de ça. Oh, oh, viens voir, t'es où? Attends, vers le coffre, viens au coffre. Il y a une grotte qui s'est ouverte. Il y a encore un morceau de glace, mais il a fondu. Là, regarde là. Oui. Là, il y a une grotte. Eh ben, c'est, eh ben ça oui. s'est ouvert. Eh ben là-bas, c'est ce qui va nous emmener aux chutes de sable. Voilà. Vas-y. Ok, ok, ok. Vas-y, okay, viens, viens, on y va. Regarde. Oui. Et c'est la grotte à Iridium. Voilà, tout à fait. Et c'est là-bas qu'il y a le vaisseau qu'on voulait voir à la base. Et il y a un coffre ici, on va le laisser. Enfin, on le laisse, ouais, viens, viens, on rush. Ouais, parce que là, l'Iridium, on a un casier plein. Mais bon, c'est bon à savoir, tu vois. Ah, si oui. on veut de l'Iridium, on sait où venir. Quoi. Mais là, l'extrait. Ah, tu parles. Ok, pardon. Tu vois les chutes de sable là. Ouais, mais il y a deux. Il y a une autre chute de sable. Oui, 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 je sais voilà, de quoi tu parles. Tu vois ouais, laquelle ouais. je parle. La Moi, grosse... c'est l'autre que j'avais en tête en fait. Mais bien ouais, sûr. C'est ça. Parce qu'au pied de ces chutes de sable, il y a du super alliage. Absolument. Et ça, on en a besoin pour faire tous les trucs T2 et tout ça. Ok, bah écoute, déjà on va voir. on va voir le vaisseau. On va voir Voilà, c'était là qu'on voulait aller, les amis, et c'était là qu'on était dans le dernier épisode à la fin. Exactement. C'est marrant, nous, en fait, là je suis en train de me dire, on est des dinosaures du jeu, quoi, on connaît quoi. Oh putain. Incroyable. Bon, c'est pas le plus gros vaisseau. Ah, mais en plus, mais ça vient de s'ouvrir. Ah, bah ça vient de s'ouvrir, du coup on a de l'osmium. Mais attends, mais c'était fermé tout à l'heure. Attends, par contre, j'ai plus d'oxygène, on a fait un habitacle là-haut, ouais, il ouais, 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 ouais. Magnifique. Oh, heureusement. Bah, je pense que ça s'est ouvert le temps qu'on fasse l'aller-retour, tu vois. Non, le temps de faire le tour, parce que il y a 2 minutes, il y a 5 minutes, c'était fermé. Attention, enfin, voilà. Je vais juste mettre parce tout que... ça pour le vaisseau. Ah, ok, bon, bah, nickel. Parce que regarde, je vais te montrer un truc. Viens voir. Ah, oui, montre-moi. Si on prend la grotte là. Ouais, tu on vas, arrive. Bah, tu arrive de l'autre côté, non? Au soufre. Ok, oui, parce qu'il y en a par terre là. C'est encore fermé, je crois. Ah, voilà. Celui-là, il est plus dur, je crois. Combien il faut? Il est plus. 5. Il est plus dur. Ouais, d'accord. Par contre, l'osmium, on va le prendre parce que l'osmium, on en a besoin. On peut tout prendre d'ailleurs. Ouais. Parce que du coup, avec l'osmium, on pourra se faire les extracteurs de minerais qu'on voulait faire déjà. Ah, bah voilà. Et on s'est Allez, on rentre dans le vaisseau. Let's go. Ouais, mais non, parce que je suis full. Ok, bon, on y va pas. Ça, il te fait de l'œil. Ah bah, il faut du fer. Oh, quel homme. Ouais, mais bon, si tu te vides aussi. Ah, moi, je suis vidé, c'est bon. Ah, d'accord. Ah, moi aussi, je me vide, attends, bouge pas. Oh là là, mais ça fait plaisir de voir ce lieu là devant, là, en bas. Mais ouais. Ici, là, rien. Hein, t'es où? Là-haut, alors, là, devant, ici, là. Derrière toi, là, là juste là. Ouh, je suis ici. Allez. Non mais ici, ça m'a... J'ai fait tellement de parties où il y a, oui. il y a quelques années où j'ai commencé ici. Et là, il y aura la flotte et tout, ça va être incroyable. Mais ça vient quand ça d'ailleurs? Parce que pour l'instant... Quand on se videra. du tissu, des graines d'aubergine, super alliage. Je t'ai pris à manger, je m'en bats les steaks. Alors... les plans de micropuces, hein, fais attention. Après, tu hein. Même les coffres ici, tu vois, faudrait pas les prendre parce que. Bah oui, mais alors pourquoi on y va? Oui, c'est vrai, on prend tout. Ouais. Eh oh. Moi, je trouve quand même des rations, des plantes à 300% d'oxygène là, franchement. Ça, c'est bien. Et j'ai même trouvé un plan de micropuce. T'es fier de moi, mais. Ah oui! Très, très, très fier. Hein. Ah si, si, bah attends, micropuce, c'est bien ça, il nous faut. Micropuce. N'hésite pas à prendre les plans de déconstruction, tu sais, et spammer les murs parce qu'il y a des murs qui se. Qui se démonte. Les murs ont des oreilles. Exactement. C'est pas ça que tu voulais dire. Non, non, mais les murs ils se démontent, tu vois. Des fois t'as des murs avec ah les oui, tuyaux mais là. Tout à fait, t'as mais. T'as un mur qui s'enlève. Toi aussi tu te démontes. Alors, ah, mais y'a un chauffage là qu'on peut démonter. Bon, oh, j'ai une barre d'iridium et j'ai de l'uranium. Oh, micropuce, super alliage, bam, bam. Bah, l'iridium on en s'en fout un peu en vrai, y'en a partout. Non, mais une barre d'iridium, ah, ouais. Oui, bon, on a une grotte pleine d'iridium. Ouais. Bon, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Nous avons ici un réacteur à fusion. Mais ça on met quoi là-dedans? Jamais compris. Ça j'ai jamais fait tourner ça, tu vois. Ma bite. Ce matin, alors que nous étions à notre 17ème jour de voyage spatial vers Stugmar, le vaisseau a inexplicablement subi une perte de vitesse qui l'a fait quitter l'hyperspace. Les instruments de navigation se sont affolés et le vaisseau a perdu toute sa puissance, comme si elle était drainée par quelque chose d'extérieur. Nous allons essayer d'effectuer un atterrissage d'urgence sur cette planète non répertoriée. Je ne sais pas ce que nous allons y trouver, il semble y avoir une énorme tub.
J'espère qu'on va s'en sortir. Quoi cet accent de schlag là que t'as pris? T'es raciste, hein, c'est ça? Bon bah y'a rien de plus hein. Bon bah 2 micropuces pour ma part. GG et moi une, et donc ça fait 3. Beaucoup de trucs fort sympathiques. De plus oh mais il fait nuit. De plus 1 ça fait 3. Hein? Oh! Il fait nuit? Oh! Ah ouais bah. Regarde la planète là-bas. Non. On dirait pas ça forme un. Ça forme quelque chose, la marque blanche qu'il y a dessus. Oh y'a eu un de ces bugs. Ça voulait pas mettre mon oxygène. Alors la planète, une marque. Ouais regarde on dirait un. Un moi champignon. Je vois un squelette un peu, tu sais. Ah oui, moi j'ai une bombe nucléaire. Ouais. C'est fort sympathique ça. Oui. Mais qu'est-ce que je fais? Ah, oh, j'appuie sur 1 au lieu d'appuyer alors, sur... Par contre mon frérot, tu sais ce qui régale là? Ouais. Bien plus que d'habitude, c'est que là on peut tout mettre dedans. Parce que pour faire des allers-retours, ça va nous prendre 2 secondes à chaque fois en off. Ouais. Alors ça c'est top. Vrai. Donc on peut tout foutre dedans et revenir plus tard tout oui. chercher. Absolument. On peut cacher à l'explorer l'autre vaisseau en vrai. Bah cache hein, comme tu dis hein. Cache. Oh, ça y est. Voilà, ouais. Allez, let's go. Attends, l'autre, on parlait duquel, attends. Bah, je sais pas, tu parles duquel en fait, moi je te suis, mais. Ah oui, là-bas. Tu sais, je suis un peu con-con, hein. Vas-y, je t'attends. Tu m'attends? Je t'attends. C'est gentil. Je t'attends, bébé, hein. Ok. Oh, y'a un drone là-haut. Ah non, c'est un petit truc noir qui. Je suis là. Y'a des petits trucs noirs dans le ciel qui volent. Des petits trucs noirs. Tu veux explorer très... quoi là? Là-bas devant, regarde. Ah oui, on sent le mec qui connaît le jeu aussi, oui. Mais non, on est passé devant avant. Ah bah oui. Quand on est sorti de la grotte chute de sable. Oui, mais j'avais même pas fait attention. Devant nous. Aïe. Mais je le savais en tout cas, mais j'avais pas fait attention, il est vrai. Il est vrai. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Oh putain, en vrai, y a encore tellement de vaisseaux à explorer, de trucs à explorer, c'est... Absolument. T'as vu par terre? T'as vu par terre ce qu'il y a? Il y a encore de la glace ici. Eh oui. Alors que vers chez nous là-bas, il y en a plus. Eh oui. Parce que... Ah bah c'est fou quand même. Il y a une différence d'altitude. Ah parce que là, on est loin des chauffages qu'on a mis surtout. Mais c'est surtout qu'on est plus bas. Ah bon? Ah. Ouais, je sais pas. Bon. Let's go. Je suis rentré dedans. Ah, je t'ai même pas eu rentrer. T'as vu ça? T'es vraiment... Un ouf, mec. Je suis un dingo. T'as pas le time. Ah, j'ai pas le time. Vas-y, un tissu. Un petit time. Chaque die. Oh, je suis foufou, là. Je me suis fait coiffer. J'ai une micro-puce. Tiens, prends à manger. Non? Je sais pas, wesh. Ouais, t'as cru que j'étais... Mange. Viens manger. Vas-y, il y a trop de trucs, là. Oui. Qu'est-ce que je démonte là? Moi. 200. À manger, à manger. Cours. Putain, y'a pas de graines d'haricots. Hein. Ah, Eh oui, toujours pas d'haricots, ouais, tout à fait. C'est terrible. Oh! Mais ça, il faut qu'on démonte. Hein. Pourquoi? Je sais pas ce que ça donne. Mais ça, c'est... j'ai jamais démonté ça. Ah oui, il faut le T2, c'est vrai. Il faut déconstruction T2. Bah ouais. Et ben après, quand on rentrera à la base, on focus là-dessus. Hein. Oxygène bas. Ah! Ah! Et il me reste une seule bouteille. Bon, ça c'est pas un problème, mais si on peut faire une capsule ici en vrai. Ok, bah là j'ai plus de bouteille moi perso. Bah y'en a une là, regarde. Comment ça y'en a une là? Elle est loin frère. Y'a un habitacle juste. Bah refaisant ici alors. C'est à... Moi j'ai pas de quoi. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas non plus. Attends, si, y'a plein de trucs là. On en fait une où? Ici là? Bah dépêche-toi. Ah, il me manque un de titane. Ah, oh, mais tu rigoles. Ah. Tu m'as dit t'as pas ce qu'il faut. Putain le. Attends, je vais juste faire un établi pour faire des petites bouteilles d'oxygène. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du fer. Y'a où du fer? J'ai du fer. Ah, parfait. Bah attends, je prends un peu de cobalt alors. Comme ça, je peux me faire au moins 2 ou 3 bouteilles. D'accord. Bien sûr. Voilà, pareil, je vais me refaire des petites bouteilles. Ah, c'est cool. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah là, ça commence à être pratique. Commence à être intéressant là. Bon bah voilà. Mais c'est vrai, hein, comme tu l'as souligné, ce serait trop cool que les développeurs mettent la distance sur les waypoints qu'on a mis. Ouais, et un azimut, tu sais un petit azimut en haut là, qu'on voit nord-sud avec 140, 200 au moins, on peut dire, vas-y regarde en 200 tu vois. Oui ouais, je suis d'accord après. Bon, ah mais attends, on est con, y'a, y'a. Y'a le truc boussole là.
Je crois que ça rajoute ça justement. Ah mais oui, il y a une un puce boussole, oui, une micro-puce boussole. Absolument. Alors, on a juste rien fait quoi. C'est... Bah oui, tout à établi. Fait. Établi. Allez. Voilà. Et comme ça on peut se faire. Oula 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 oula. Ça part en couille. Voilà. Hein. J'ai 4 bouteilles. Bon, parfait. Bah, c'est parfait. Bah viens, on va explorer. Et si on veut, on peut même. Ah. Attends. J'ai encore de l'iridium. Ok. Parce que si jamais. Tu sais, il y a les vaisseaux là-bas là qu'on avait vu là. Attends, je me vide si tu permets. Oh, bah, voilà, prends ton temps surtout. T'es où? Tout droit, encore. C'est tout droit. Ah oui, ça va. Bah voilà, c'est là où je voulais aller. Parfait. Voilà. C'est là où je... Et là, il me semble qu'il y a plein de super alliages. Tout à fait. J'en ai vu avant. Alors avant, c'était il y a une semaine, mais oui. Chut. Oh, par contre, je suis tombé. J'avais oublié que c'était un labyrinthe. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je suis tombé sous le char. Pardon. Eh, mais c'est Christophe Maé ou. Ah, ouais, c'est un labyrinthe, c'est vrai. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé, moi. Ah, ouais. Ouais, bah, c'est bon, hein. Moi. Toujours toi, de toute façon. C'est vrai. Ok, attends, je suis vraiment si nul que ça. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est pas grave, mais bon. Comment t'es monté? Jetpack? Ah ouais, mais t'es un cheater en fait. Hey, regarde-le qui ramasse tout là. Même uranium, pas il attend. Uranium, 300%, attends, 300%. Je... Mec, vraiment, je peux pas monter. Allez, moi je crois en toi. Mais gros, c'est bon. Mais. Attends, c'est bon, je suis là. Eh ben voilà. Tiens, prends à manger là dans le coin. Ouais, bah écoute, tu sais, hein. Prends des forces. Bon, le soufre, on a. Un micro. Oh, 400%! Oh, oh my god, je l'ai pris. On en a déjà, hein, je crois. Mais bon, toujours oui. Plus, c'est pas mal. Oh, mais ils sont beaux ces coffres. Oh. Pardon. Oh là là. 200, mais là, il faut tout prendre là. Là, ouais, là-dedans, il est bien là ce coffre là. Regarde. À part cette merde, ça et oh, 400% encore. Mais oui. Champignons, ouais. Pareil. Ces champignons, c'est mieux que les courges, que les aubergines. Plan de micropuce, mais c'est exceptionnel. Oh, exceptionnel. Bah t'es où? Eh ben, je suis sorti de l'autre côté. Ah mais t'as raté. Mais ouais, mais tu l'as pas vu celui-là. Hein. Non. Ah ouais. Bon, l'iridium, je prends le super alliage, c'est mieux. Mais gros. D'oxygène, et je peux prendre un tissu. Tissu, il faut prendre parce que c'est pour faire les oui. Les bottes, tu sais, pour marcher vite. Et ça consomme beaucoup de tissu. Eh gros, viens, gros. On a, désolé, hein, je suis pas gros, non, arrête. Je sais, je m'excuse, mais là, on récupère tous les plans de micropuces qu'on a stockés. On va à la base. Ah hein. Bah là, à mon avis, on a tout le stuff complet. Hein. Bon, n'exagérons pas non plus, mais. Oh non, mais on doit avoir pour tapette là, parce qu'on a déjà beaucoup de choses. Ouais. Mec, on en a au moins une dizaine là des micropuces. Ouais. 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 Ok. Ouais. Oh, yeah. Attends, on ouvre ce coffre. Allez hop. Non, on l'ouvre pas, on est full. Oh, j'ai failli l'ouvrir. Alors là, on va récupérer tous les plans. Ah, il y a un coffre là, vu. Ok. Parfait. Alors attends, là, j'avais mis des plans. Là, il y en a un. Moi, je suis full. Qu'est-ce que je peux jeter? Oh putain. C'est bon, ça. L'alu, je vais pas le jeter. On va le mettre là-dedans. L'alu, on a un casier plein, donc c'est pas urgent. C'est bon. Ouais. Ça, ok, c'est bon. On fera un aller-retour. Ah oui, non mais là, du coup, il y a là-bas en haut, mais là-bas en haut, en vrai, on fera. Faut en faire deux quoi d'ailleurs. Ouais mais là en haut on va récupérer deux. On va récupérer les plans. Bah moi je suis full hein. Et on retourne à la base. T'inquiète. 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 Putain le jetpack T2 il doit être bien hein, parce que. Ouais. Pour qu'on le fasse, maintenant qu'on a le soufre. Oh, oh mais bien, on a un stuff full soufre aussi, mais oui. Oh mais... là. Non mais c'est incroyable ce qui se passe. Et comme on a le biolab qu'on a débloqué dans le précédent épisode. On peut fabriquer la poudre. Enfin on l'a posé d'ailleurs, je suis con. On l'a posé ouais. On peut faire la poudre et on peut se faire les bottes d'agilité là, enfin les bottes pour marcher T3. Oh les gars, non mais là cet épisode. On va encore marcher plus vite. Ah ouais. Non mais là c'est dingue. Tempête de sable. Là c'est dingue. Il y a encore nos deux vieux escaliers là-haut. Alors par contre, va falloir faire des choix. Bon, on va faire plusieurs allers-retours. De toute façon, on fait un... Vas-y, viens, on en fait une fois un. Attends, et voilà. attends. D'abord, juste les plans micropuces quand même, soyons malins. Ah oui, t'avais montré le réacteur nucléaire ou pas? Oui, on l'avait fait en vidéo. On l'avait fait ensemble, tout à fait, ouais. Tu l'as même fait tout seul. Ok, bon. Les plans. Ça fait du bien de retourner à la maison. Oui. Attends, je vais juste me vider un peu, si ça te dérange pas. Mais en fait, tu passes toute ta série à te vider, frère, et t'as pas honte?
Par contre, faut qu'on... Ok, ouais, on le fera plus tard. On a beaucoup de graines de Nulna 300% là, quand même. Hein. On va faire. J'en ai encore 3 sur moi, t'inquiète. Faut qu'on fasse des... Ok. Ah, il pleut. Mais non, il pleuvait déjà dans le son épisode. Ah oui, je suis con. Oh là 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 là. Vas-y, débloque, frérot. Régale-nous. Ok, 1, 2, 3. Oh là là, bon, pour le moment, d'accord. Ok. Deuxième. Et bah voilà. Oh. Eh, c'était ce qu'on parlait, le truc en haut là. Ouais, mais ça existait pas hein, à l'époque. Ah, bon, ah non, la carte, il y avait aucune carte. D'accord. Oh, c'est excellent. Permet okay. d'afficher la okay, carte suivant. De n'importe où. Oh, vitrine, c'est quoi ça? Oh, vous posez ça, je pense, regarde. Oui, oui. Posez les trucs en gold là. Attends, regarde. Regarde, je te le fais direct là. Attends, ici. Moi, je vais juste faire un truc aussi, vas-y fais-le. Silicium. Cobalt. Non, oh non, y'a plus de cobalt. Mais on peut mettre n'importe quoi dedans. Genre des rations. Ah ouais, on peut mettre des rations. Ok, oh, en fait c'est un stockage. Magnifique. Bah regarde, on va mettre des petites fleurs, voilà. Ouais, pour le moment. Mais bon, t'as ça, un de cobalt ou pas? Bah là, dans le coffre. Non. Ah. Oh merde. Pourquoi? Oh c'est... What? Non, je voulais faire un truc que pour la vidéo, ce serait vraiment cool. Pour les gens. Ouais. Faut un de cobalt. Mais c'est pas grave. Vas-y, on débloque le reste. On le fera après. On fera ça après. Et les gars, cet épisode va être long, mais tellement bon. En fait, vraiment. Ça t'est. Ouais, bon, on a compris. Oh bah bon, ça. Attends, ça va aller jusqu'à où? Jetpack T3. Ah attends, qu'est-ce qu'il faut pour crafter? Bah, déjà le T2. Attends, regarde déjà le T2 d'abord. Oh, on peut faire le T2 et le T3. Ok. Parce qu'en gros, les amis, pour vous expliquer, là on a le soufre, d'accord. Et là, la poudre explosive, en fait, pour la faire, regardez, on monte les escaliers, on va dans le biolab. Et en fait, juste ici, on peut fabriquer la poudre explosive avec le soufre qu'on a récupéré. Voilà. Ah, mais repos, tellement. Oh, c'est génial. Aïe, c'est génial. Super. Allez, vas-y, les tiens. Allez, moi, ça va être incroyable aussi, je pense. Filtre du menu de construction. Filtre. Comment ça, mon ref? Écoute, on le découvrira sûrement. Masque les objets des niveaux inférieurs du menu de construction. Ok, ça sert à rien. Ouais, trop utile. Ah, et ben voilà. Oh. Et ben voilà. Oh. Et c'est ce qu'on a besoin. Ah, oh, il faut des cartouches. Ah oui. Et du zéolite. Mais on peut les faire, je crois. Ouais. Cartouches, vrai. On peut les faire dans le biolab. Et du zéolite, on en a 3 ici, donc c'est bon. C'est... Oh là là, mur intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut juste du fer, gros. Attends. Oh, j'en ai un sur moi. Wesh. Attends, fais-le à l'étage. Ouais. Ici, là, regarde, ici on voulait foutre un mur ici. Ok. Regarde comment ça rend. D'accord. Ah ouais. Donc c'est un vrai mur quoi. C'est. Ok. C'est un mur porteur. C'est... Mais du coup on va l'enlever parce que c'est moche en fait ici. Ouais, du coup là ouais. Mais très bon à savoir. Bah ici, regarde. Je pense qu'on le met ici. Voilà. Tac, et ici on pourra se faire encore une pièce pour quelque chose. Ah, tu mais vois. Absolument, mais voilà quoi ça sert le mur. Et ça fait un couloir, bah voilà. Oh là là. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Oh, c'est excellent. Et là, c'est là, excellent. Là, on pourra mettre aussi les ce qu'on avait en bas là, le présentoir là, juste là et tout. Oui, enfin, des vitrines. Bref, c'est incroyable. Ouais, mais y a tellement de... T'en as encore une, non? Non, j'ai tout débloqué. Non, c'est bon. Alors, okay. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, juste. Bah là, faut qu'on upgrade notre stuff. Hein. Non, mais en fait, il faut qu'on fasse des allers-retours. Mais d'abord, viens. Ouais, c'est vrai. On fait des trucs là pour mettre les graines à 400%. Là, il faut faire des VG-tubes masse. Ouais. Je vais juste vider ce que j'ai là, la bouffe et tout ça. Hop. Tac. Ah oui, la bouffe, attends, il faut enlever tout ça là pour que ça repousse. Merde. Ah. Voilà. Ah, la bouffe, on commence à être bien. Regarde tout ce qu'on a. Ah, bien, ça c'est parfait. Bien joué. On a un bon stock de bouffe là. J'ai de l'uranium aussi. C'est ici. Ouais, hop. Attends, j'ai un problème là. Le tissu il est où? Ah, il est là-bas. Là, ouais. Faudra qu'on fasse une vraie salle des coffres. T'es chaud, on se fait juste le jetpack T2 pour faire l'aller-retour plus rapidement? On peut le faire là? On peut largement, on peut oui. Vas-y gros, mais fabrique-les-moi, pardon. Osmium, alu, soufre. Si t'arrives à en faire deux, moi je fais les VG-tubes. Osmium, hop. J'ai pas de place dans l'inventaire, ça m'énerve. Ah putain, merde, bah on peut pas non, parce qu'on a du soufre, mais on l'a pas ramené. T'en as ramené un ou pas au moins? J'ai... On en a que un là dans le coffre. Ah bah c'est celui que j'ai ramené, je crois. Mais non, on en avait déjà un. Ah bah alors non, j'en ai pas ramené. Ah, on en a pas ramené. Oh merde. Mais c'est pas grave, on va faire les allers-retours, c'est pas un souci. Oh attends, je vais en... Oh ok. Quoi? J'en cherche juste un pour toi quand même, attends, il faut... Bah mec, c'est trop rapide. C'est vrai. Le jetpack T2, il est... Ah bah ça change la vie. Cool. Le temps que tu craftes ça, je fais une fois un aller-retour moi, tu vois, seul en vrai. Pour ramener le moins le soufre et te faire un jetpack T2.
Et après on y va à deux et on ramène tout le reste. Ça marche, bah moi je peux pas faire grand chose en fait, j'ai plus de fer. Ah! Mais c'est pas grave, je vais remplacer les graines nulles par les meilleures. Il faut. Ouais! C'est pas un souci. Pardon. Genre là 200%, hop, à la place je mets 400. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de, qu'on a beaucoup de 200 encore qui servent à rien. Tout à fait. Bien vu. Pas qu'ils servent à rien, si, mais par rapport à. Oh, mais il y en avait un vide là. Oh. C'est vraiment. C'est un peu dommage qu'ils ont autant bugué les rochers comme mais ça. Ouais, mais c'est fou de bugger. Ils auraient dû un peu plus s'appliquer sur les rochers et qu'ils fassent en sorte de... que ça bug pas, quoi. C'est incroyable. Mais il y a un petit côté excitant de passer à travers la map. Ouais, à tout moment tu perds ton stuff, mais. Voilà. C'est sympa comme. Exact. Comme excitation, écoute. Eh oui. Voilà. Chacun son excitation, hein, écoute. Est-ce que tu veux que je fasse de la poudre explosive du coup avec. Parce que là j'ai. Ah, vas-y. J'en fais combien au total? Explose-moi ça. Pardon. Bah attends, il faut combien? Il faut. Pour le T3, il en faut 2, donc il en faut 4. 4 poudres. Mince, j'en ai fait que 3, je peux qu'en faire 3, il me faut encore. Bah il faut. Tiens, du soufre, là j'en ai mis, là, regarde, j'en ai mis plein en bas dans le coffre. Ah, allez. Vas-y. Parce que. Attends, on veut faire pourquoi là le souffle, la poudre? Le jetpack T3? Le jetpack T3, mais attention, il en faudra aussi, regarde. Pour. Les bottes d'agilité T3, ouais, au pire on s'en branle. Ouais, mais il en faut une seule, tu vois. Ouais. Déjà, attends, on a les bottes T2, T1 ou T2, T2 seulement? Ok, donc il y a le T3. De poudre et poudre, ok. Ok. Nourriture bas. Oui, bah ça va! Oui, bah ça va! Voilà, j'ai 4 poudres explosives. Ok, bon bah viens, on se fait les jetpacks. Oh. C'est... Non, mais là, il faut 2 osmium. Tac, tac. Mais toi, d'abord, fais-toi le T2 aussi. Hein. Ah! Bah attends, tiens, j'ai. Attends. Ah, super alliage aluminium, il me faut juste. Il faut juste super alliage aluminium. Donc, ça c'est bon. Tiens. Et juste aluminium, superbe, merci. Oh. Et moi j'ai ce qu'il faut pour le T3. Ok, alors je vais déjà essayer le jetpack T2 d'abord. Ah. Pour voir la diff, attention messieurs dames. Il y a une petite diff en vrai, c'est quand même assez beaucoup plus rapide. Oui, un peu, oui. Ah, c'est pas mal. Bah, bien, on se fait tu vas plus haut. Ah bon? Un peu quand même, hein. Ah oui, bah vas-y, go, hein. Go T3. Oh là là. On a ce qu'il faut, donne les poudres, dans ma zone 2. Et tiens, je te donne ça. Hop. Voilà, avant t'as ce qu'il faut. Moi je pense à ça. Incroyable. Ah! Ok. Oh oui! Ah ouais! C'est excellent! Non mais c'est n'importe quoi. Ah, ah même la hauteur! Cool. Oh. Ah t'as vu, ouais, niveau hauteur, t'arrives au niveau. Oh, regarde! T'arrives à monter les rochers, voilà. Ah ouais! Je pense que là on va moins galérer de l'autre côté, hein. Et est-ce que. Ah attends. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour les bottes agilité 3 là? Faut poudre explosive. Il faut juste une. Ah bah juste une en fait. Ouais. Ah non, il nous manque un super alliage. Ah bah c'est pas grave, au pire on a pas besoin, on a le jetpack. Oui, c'est vrai. Alors... Bah tu sais quoi, je vais me faire quand même tous les petits trucs là, toutes les micro puces là, des constructions T2 et tout ça, la lampe. Mais on a la lampe T2, tu vois, on l'a mais pas faite. Par contre des constructions T2 on peut pas, hein, il nous faut une cartouche de méthane. Allez. Mais si on peut les faire dans le biolab. Mais comment tu fais? Je sais pas ce qu'il faut, mais on peut non, les faire. Non. Cartouche de méthane, on peut pas faire, regarde, dans le biolab. Ah, on a le craft, mais on a pas encore de quoi. Oh! Oh, Nico, viens. Ouais. Je te donne ça. Hop. T'es où? Voilà. En bas. Tiens, regarde. Fais-toi la lampe T2 et appuie sur F. Ok, alors attends. Là! Ah, bah c'est bien plus sympa, c'est sûr. Avec la diff. Ah oui. Dans les grottes, ça va être vraiment cool. Et qu'est-ce qu'on a débloqué d'autre du coup? La boussole, et moi je vais faire la carte. Il faut de l'alu et de l'obsidienne. Bah on a, allez, alu et obsidienne. Ah ça fait la trop carte, plaise. Carte, et du coup la carte... Ok, et comment je loue? Oh! Ok, il faut un satellite en orbite. Qui cartographie le lieu pour avoir. Et donc c'est la touche, c'est point d'interrogation. Ok, faut envoyer une fusée. Faut envoyer une fusée. Comment on fait? Bah faut la plateforme de lancement, quoi. Oui, mais il faut faire une fusée aussi. Bah ça c'est dans la plateforme, t'as un PC au sommet, tu sais, et c'est là que tu les crafts. Ok, alors on va faire la plateforme, alors. Ah moi, bah il faut 3 su... Oh bah, on a pile ce qu'il faut. Je vais me faire une petite boussole aussi, parce que... Pas de problème. Marre de me perdre. Je m'occupe de la plateforme. Par contre, tout à l'heure, t'avais dit que tu voulais du... Ah yes. Je suis trop fort. T'as fait quoi? Pardon, oui.
Bah la boussole, c'est pile ce que j'ai dit avant. En haut, ça te met nord, est, sud-est, et du coup, tu pourras pour dire je suis au nord, je suis au sud, tellement mieux. Super, mais attends, il est où? Bah fais là aussi, hein. Fais là aussi. Bah attends, c'est lequel? Ah, voilà, silicium. C'est tout à droite. Magnésium. Silly, magné et alu. Ok. Superbe. Messieurs, dames. On l'équipe. Voilà. Bon, par contre, on voit pas les waypoints. Mais au moins, on sait où on regarde. Non, mais au moins, on sait où on regarde. Et ça va pouvoir. Mais alors, par contre, tout à l'heure, mais vraiment tout à l'heure, tu vas aller où? Tu dis. Bah, je vais chercher du fer pour faire la plateforme de lancement. Bah, viens, attends, on passe là-bas, de l'autre côté. Tu sais, il y a la grosse zone où il y a plein de ressources. Mais moi, là, j'ai ce qui. Je veux juste faire la plateforme ici, là. Ah, ok, bah, attends, je vais. Tu sais quoi, je vais me faire un full inventaire de fer. Ouais, vas-y, vas-y. Et de plein de trucs, comme N'hésite ça, on sera surtout plus pas. trop en manque. Oh, moi, je suis en manque. Non, par contre, tout à l'heure, Wow. tu voulais dire qu'il te manquait Oui. du cobalt pour faire un truc joli pour les viewers. Oui. Bah attends, justement, il y en a là. Hop, parfait. Ok, donc Je vais c'est toujours chercher. pas. Ok. Ouais. C'était pour être sûr. T'inquiète, tu vas. Ouais, bien vu, tu me l'as rappelé. J'allais oublier. Ah, tu vas nous faire une surprise, c'est ça? Exactement. Ok. J'aime bien. J'aime bien les surprises. J'aime bien le jetpack surtout. Ah ouais, on est d'accord. Ouais, ça change tout à l'aventure. Qu'est-ce qu'il faut en plus le fer? Ben ouais. Clairement, le fer. Il nous faut du fer. Et c'est pour faire? LOL! Ah bah là, ça vole pas là. Un peu quand même. Et voilà, il fait sauter les plombs comme d'hab. J'ai pété les plombs. Mais y'a pas. C'est ma direction! Pardon. Y a pas d'ordinateur sur ton truc là. Ah, c'est Y a tout en pas haut. de panneau! C'est tout en haut. Pardon. Ah Mais oui, tout ouais. en haut, y a un PC tout en haut. Si ça n'a pas changé, hein. Satellite GPS, moteur de. Oh putain, on peut le faire à tout moment. Oh, qu'est-ce qu'il te faut? On a ce qu'il faut. Oh. Oh là Pardon. là. Je pousse des cris. Oh, mais j'aime. Ah, d'accord. Par contre, il refaut de l'énergie, hein. Et il nous en manque. Je sais pas combien. Ah mec, il nous manque pas grand chose, on consomme 397 et on produit 395. Il nous manque 2 kWh quoi. Donc tu fais un panneau solaire, ça suffit. J'ai plus de bouteille d'eau, je suis trop con, je vais crever encore. Non mais sérieux, putain. Mais non, mais vas-y, mais t'abuses. Vraiment? Ouais, j'ai réussi avant de mourir. Yes! Bon, Oh! bah, voilà. Ok, faut que tu reviennes dans la base C'est là. dans moins de 5 minutes. Ah bah voilà, regarde ce que j'ai fait. Ça? Bah, c'est bien, non? C'est ça ta surprise? Mais il y aura de l'eau liquide, regarde! Ah bah oui, 96! Wouhou! Eh oui, regarde, il y aura dans 4%, on aura des petites flaques d'eau qui vont apparaître. Let's go! C'est pas excellent quand même! C'est absolument excellent, mon et gars! Et après l'eau liquide, il y aura autre chose. Et... C'est excellent, ma chérie. Ok, il faut qu'on fasse des VG trucs là. Les VG tubes? Y'a plus de silicium, je vais en chercher. Eh mais attends, mais on a de l'uranium là pour faire ton truc Attends, mais... On peut faire le réacteur. On en a 9 ou pas? Mais largement, je m'en occupe. Ah bah vas-y, fais. Mais bien sûr. Fais ma boy. Ah mais il faut 3 super alliages, on l'a pas. Ah bah attends, je vais faire... Je re-retourne au truc là. Y'en a quoi dans les coffres? Tu ramènes ça. Ok. T'inquiète, je gère. Ouais, je sers à rien là. M'énerve. Bah, fais le ménage un peu, je sais pas, aspire, passe le balai. Alors, je vais me contenter de faire à manger. Ah, bon bah, mauvaise nouvelle, y'a pas de super alliage. Voilà. Ah! Et y'a plein de tissus, plein de bouffe, plein d'autres trucs. Donc, je ramène ça et puis je repars chercher du super alliage. Pas grave, comme pas ça. De soucis, ouais. Ah, attends. Comment on fabrique extracteur de minerai, c'est ça qu'il faut faire. Et oui. Ah oui, mais on n'a pas de super alliage, toujours pas. Mais non. Ah, oh, mais c'est pas possible. Ça me saoule. Je vais aller en cherche, tu sais quoi. Ça marche. Hop. Non, ça vole. Ah, je t'ai vu. Alors. Je t'ai vu passer en plus là, non? Ah non non, je suis loin là. Ok, j'ai des hallucinations. Bon, l'eau liquide, attention mon ami, parce que non, toujours pas.
Bon bah je te préviens, tu hallucines pas, je suis bien passé. Ah mais t'étais vraiment là en fait. Je me fous juste de ta gueule. Ah mais donc je t'avais vu à la fenêtre. Oui oui, je suis passé. Excellent, t'es un petit farceur, mon coquinou. Je suis, t'as vu. Eh, hey, tes graines de l'Irma, elles me font un peu chier, mais vas-y, je vais pas. Non, mais ah, attends, on a un casier à l'étage où on peut foutre toutes les graines de. Y'a plus de place, y'a plus de place. Bah alors, on va les recycler. Ah, mais attends, on peut faire un recycleur. Il faut du super alliage, yes. Ouais, le super alliage, c'est un problème. Bon, je vais aller en chercher, j'ai compris. Bah, j'ai joué aussi à l'aide, c'est quoi. Ok. Bon, bah, du coup, les amis, vous aurez compris ce qui nous attend là, c'est plus du farm qu'autre chose, des allers-retours, du. Voilà. Là c'est pas voilà, c'est un peu redondant. Du restock de casier quoi. Voilà. Un petit peu. Pourquoi y a du quartz pulsar dans le coffre d'aluminium? Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule? Parce que ça passe. Pardon? Oui bon ok, je me suis peut-être trompé mais tu sais c'est pas grave. Minem il se calme. Je me suis peut-être trompé, bon ça arrive d'accord. L'erreur est humaine, ok. Mince. Bah oui, je comprends. C'est ça. Je vais pas encore aller voir la plateforme de lancement, enfin, si elle volait ou si elle était bien posée. La plateforme. Alors, elle est bien posée, mais elle rentre dans le sol. C'est le mec chiant. Ouais, mais on a pas le choix, c'est chiant. Non, franchement, elle est bien, elle est bien. Alors, il faudra juste par contre un moteur de fusée. Alors, je vais aller faire le. Ah non, mais il me faut encore un super alliage en fait. Alors, regarde dans le coffre là. Hop, super. Hop, 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 hop. Non, pas ça. Voilà. Micropuce, attention, 3, 2, 1. Ah bah, allez, hop, ça voilà. Ça GPC 4. Toujours plus. Les granulés, je les mets où? Gros, j'ai fait une bêtise. Est-ce que ça me choque? Non mais parce qu'en fait j'avais fait une barre d'uranium. Non mais écoute, j'avais fait une barre d'uranium tout à l'heure. Et il en faut pas. Et oui, et comment on fait pour décrafter? Bah tu peux pas. Si, il faut fabriquer un truc genre recycleur là, tu sais. Ah bah oui, le recycleur alors. Bah attends, je vais le faire. Ouais mais est-ce qu'on aura assez de super alliage pour... Oui c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai ramené deux lignes. D'accord. Ah, recycleur ou broyeur? Non, broyeur ça élimine. Ah, et il oui. faut deux puces de déconstruction. Donc silicium et magnésium. Ah, ça va, ouais. Ok. Ouais, faut faire ça et bon. On le met en haut, viens, on le met en haut. Superbe. Ok, je peux le faire. On va le mettre où? Là, on regarde. Bah, là dedans, tu sais quoi? Ici, ouais. Ah, mec, on est trop connecté ou. Mais en fait, oh non. Ah! Je reviens, je vais régler ce problème. Je vais changer. Bouge pas, chérie, je vais changer le fusil. Par contre, à la place du mur, en vrai, ça aurait... j'aurais peut-être plus vu la fenêtre. Bah, change. Oui. Je vais faire ça en attendant que tu répares le fusible. Oh, les cons, je te jure. Hop. Agréable, je sais pas, qu'en pensez-vous, chers amis? Oh, ouais, alors du voilà, coup, chérie, ça marche. J'ai réparé. attends, je veux voir. Ah, oui, ici, bien vu. Ouais, ok, vas-y, comment on fait? Regarde, je mets dedans et j'appuie. Oh, dis-moi que t'as eu les 9. Bah, je sais pas, vu que t'en j'en ai 7, 8, 9. Let's go, yes. Ah, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir ça. Du coup là tu voulais faire quoi? Tu voulais... Oh oh oh, j'avais pas vu. Quoi? Ok. On est pas mal, on est et pas mal, voilà, on est pas mal, regarde. On a de l'eau liquide. Alors bientôt il y aura les lacs. Oui, on y est pas encore. Hein. Mais du coup là le cratère à côté de nous il sera rempli de flotte. Oui. On va habiter en bord de lac. Oui. Mais après il nous manquera les enfants. Et le labrador. Mais regarde, on a déjà tout ce qu'il faut pratiquement. Oh, la musique là, tu mets la musique, c'est terminé, c'est bon. Ta-na-na, viens, on prend du super alliage et on envoie une fusée. Oh mec, regarde, je crois qu'on a réglé un problème là. C'est vrai? Un gros problème. Bah regarde le coffre de nourriture, tu vas comprendre. Ah, c'est celui-là. Oui, bon après ça peut vite partir quand même, hein, attention. Oui. Mais là, ça commence à... là, ça pousse bien, bien vite. Plus vite que ce qu'on consomme, tu vois. Donc c'est pratique. Ouais. Allez, fusée, let's go. T'as de la super liage, hein? Combien? Prends-en 2. J'en ai pris 3. Mais je crois qu'il manque un truc, mais je sais plus c'est quoi. Bon, j'ai le moteur de fusée. Alors attends. Attends, reste à la base. Attends, ok, d'accord. Bon, ça va, on va vite. Alors, ah ouais, j'ai pas. Satellite, je vais faire laquelle?
Fusée Arsenal d'astéroïdes, champ magnétique. Mais non, satellite. Attirer les astéroïdes d'iridium. Ouais, mais attends, je lis ce que. Ah, t'as vu, on peut astéroïdes, on peut ramener les météorites d'uranium si on veut faire des potes des centrales nucléaires. Ouais, en effet. Du coup, tu veux faire quoi, GPS ou cartographique? Ah, c'est pas pareil. Bah non, regarde, c'est différent. Je crois qu'il faut faire la cartographie, hein, c'est mieux. Non, regarde, non, la cartographie c'est pour afficher les points d'intérêt sur la carte. Sauf que les points d'intérêt. Waouh, circuit imprimé, t'as vu? Circuit imprimé. Satellite GPS T4, je pense, c'est quand on démontera les trucs là dans les vaisseaux, tu sais, où il faut le truc T2. Ah, y'a moyen. Bah, viens, on va faire T1 là du coup. T1 ou T2? Bah non, T2, j'en ai 3. Il faut moteur et boussole. Mais boussole, t'as? Bah, j'en ai que une, il en faut 2, donc passe-moi la tienne, on recraftera. Regarde. C'est ça qui est bon. Tiens. Ok, et le moteur de fusée, pareil. Tiens. Magnifique. Donc on se fait la T2. Oh, merde, gros. Attends, boussole, hop. Ça va être insane. T'as ouais, elle est immense. Bon, vas-y, on est parti. Allez, launch. Allez, 3. Attends, je vais faire comme dans les vrais. 10. Non, en anglais, 2. en anglais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Oh lolo, la fusée décolle! Je pars avec elle! Ah, je te jure! Ouais! Let's go! Sous la pluie! Alors, celle-là, elle permet quoi en fait? Je sais plus. D'avoir la carte. Géolocalisation sur l'écran. Donc là, si on fait point d'interrogation. Oh quoi? Tu l'as aussi ou pas? Point d'interrogation, pas du tout. T'as fait la puce électronique carte? Tiens, regarde. Non. Prends la mienne. Tu l'équipes et tu fais point d'interrogation. Bon, c'est que le T2, donc on voit pas encore grand chose. Mais ça ne marche. Ah, mais j'ai pas équipé, pardon. Oui. Hop. Oh, waouh! Ah, mais du coup, quand on fera. Et en fait, je crois, bah là, la T3 et la T4, ça va augmenter et tout. Et je crois, plus t'en lances, plus ça. Je suis pas sûr, mais faudra tester. Ah, mais faut dézoomer! Ah! Mais gros, tu peux te balader sur toute la map! Mais pourquoi ils disent permet de une meilleure. Ça sert quoi alors la T3 et la T4? Je sais pas, tu me poses trop de questions, gros. Alors, les amis, je vais te montrer après. Regardez, vas-y, ça, c'est notre base. Ça, c'est le premier cratère juste à côté de chez nous. Avec, en plus, si on zoome un petit peu. Oh, trop bien! Ah, j'ai capté. Je t'explique après, tu vas voir. En fait, vas-y, t'inquiète. En fait, le T1, c'est zoomé. Mais là, on a le T2, donc c'est un peu dézoomé. Et plus tu. Donc, T3, T4, tu peux encore plus dézoomer. Mais tu vas voir après. D'accord. Tu vas voir après. Okay. Ça me permet de. Donc là, d'accord. Souvenez-vous, on était allé là et c'était le grand désert. Ensuite, on a exploré à peu près ici. Là, c'est là qu'on fait plein d'allers-retours en ce moment même. Cette fusée, il faudra qu'on l'explore. Non, c'est incroyable par contre. Hein. Là, ici, c'est là où je me suis embrouillé avec Ludo. Mais tu fous des trucs partout là, les graines de l'Irma là. Voilà. Là où il y a la neige. Oh, c'est incroyable, tiens. T'es où? Bah, je suis parti là, attends. Je suis parti chercher des. Garde là pour l'instant. Ok, ça marche. Je suis juste parti chercher quelques ressources pour me recrafter ce qu'on a perdu en craftant la fusée. Ah oui, forcément. Non, c'est incroyable hein, la carte. Hein. Bon, on se rend compte du coup la map est pas si grande que ça, hein, mais c'est un plaisir. Ouais, mais bon. Le là, temps de tout explorer, faut y voilà, aller. Là, hein. T'as le waypoint justement. Le waypoint qui est là-bas. Voilà. Putain, c'est incroyable. Moi, je sais plus ce que je voulais chercher. Tes ressources. Oui. Ah bah justement, oui, parce que du coup, on cherche des ressources, mais maintenant, il y a moyen de plus en chercher, donc... faut qu'on crafte ça, là. Ouais, l'extracteur de minerai. L'extracteur, ouais. Il faut des titanes et de trucs, et ok. Bon, je me fais un inventaire full, Ludo. Comme ça, on est bon. Oui. Bon, je pense que tu t'en doutes quand même, mais à part, du coup, des vaisseaux encore qu'on peut explorer, officiellement, on a fait le tour de la map, hein. Ah ouais? Ouais mon gars, on pourra. Ah non, il y a encore deux biomes qu'on n'a pas explorés. Oui, non mais. Que je connais, qu'on n'a pas fait. Ouais, sur la gauche là, sur la gauche de la carte avec les chutes de sable. Il y a un biome. Les chutes de sable et l'autre biome avec les gros pics, tu sais. Oui. Mais et après, il y a le lore à faire. Hein. Après, il y a tout le lore à faire. Hein. Le lore, quoi, le lore? Ah oui, avec les trucs de gardiens, découvrir les villes perdues et tout. Mais ça, c'est dans les structures. Ah. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de la map.
le tour de la map. La map, la map. Bon, c'est tant mieux d'un côté. On l'a faite quoi. Ah oui, bien sûr. Ah, ce vaisseau. On n'est pas à l'abri qu'il nous faut une mise à jour et qu'il rajoute un gros morceau de map. Hein. Ah, bah, de toute façon, ça va cesser d'évoluer. Hein. Ça... Maintenant, je sais pas s'il faudra recréer un truc ou ça va se combiner à la map existante, je sais pas. Ah si, ce vaisseau. Ce serait bien que ça combine, exploré. Quoi. Ah bah, bien évidemment. Enfin, Ludo. Bien évidemment. Tu ne réfléchis pas. Évidemment. Ah bah, c'est top. Eh, franchement, un épisode super top là. Bah, moi je dis, pour l'instant, il nous faut des minerais classiques, tu vois. Tout ce qui est fer, silicium, magnésium. Donc, on en fout un à côté de nous là, pour que ça ramène de tout. Vas-y. On va le mettre où? Là, à côté de ça là. À côté des foreuses, ce qui me semble logique. Ah, mais putain, on fait du chemin pour rien. Mais t'as raison. Ah, regarde. Vas-y. On va en foutre un ici. Superbe. Eh bah oui. Bah je... Vas-y, fais... Et pose voilà. À l'autre endroit où tu veux. Ah bah du coup j'ai mis les deux ensemble. Ah, bah oui, oui. On peut encore en faire. Là j'en ai fait deux parce que voilà, mais... Fais, je vais m'occuper du courant là, je vais faire plein de trucs d'énergie. Ah bah j'étais en train de crafter des panneaux solaires aussi du mais coup. Mais fais, hein, bien bah, sûr. J'en fais aussi, vas-y, ouais. Pas fais de problème. Fais. Ah allez, fais. Et les prochaines fois qu'on va se balader gros, tu vas avoir des panneaux solaires n'importe où dans la map, tu vas rien comprendre. Moi j'en pose un peu autour de la map quand même, enfin autour de la base, histoire que ça fasse un peu quand même, tu vois, stylé. Ouais bah t'as bien raison. Tu vois, je te laisse remplir la map de panneaux solaires. Hein. Bah c'est ça, parce que tu crois que tes panneaux stylés ça suffit. Pas assez d'énergie, il nous manque... Ah il nous manque pas mal hein. Pas mal? Ah il nous manque pas mal de courant pour... Ah c'est de d'énergie. Enfin oui quand même, ouais pas mal quand même. Ouais, en 3 panneaux solaires c'est réglé gros. Oui, ouais. Si t'en fais 3, ça serait réglé, mais ça coûte cher quand même. Mais gros, là où je suis, c'est le paradis. Vas-y, fais-toi plaisir. Comme dit, la prochaine fois qu'on passe par là, tu vas avoir plein de panneaux, mais bon, y'a pas de panneaux. C'est quand même pratique ça, que toute la map est reliée, tu sais. Ah bah oui, bah ouais, le jour bon, où... Bon, je pense que ça va pas rester toujours, on va tirer des câbles bientôt, mais... Je te jure, mais c'est sûr. C'est sûr. Il va falloir tirer des câbles, ou tout relier, ou alors, tu sais, mettre dans une seule zone autour de ta base. Oui, tout bêtement, bon, je pense, ouais. Pour l'instant, profitons de cette liberté, j'ai envie de dire. Ouais. Profitons des glitchs. Même si c'est pas un glitch, voilà. Ça. C'est pas vraiment un glitch, non. C'est... Bon, je pose des panneaux, il se passe rien. Hein. Ah, mais attends, on était assez loin de la... Si on produit 477, et là on est à 460. Donc t'en poses encore un, voire deux, et ce sera bon. Non, un seul, je pense. Non. Un seul et c'est bon. Même pas. Ah, 467. Ah bah en fait, il en faut encore deux. Vu que ça fait 7 par panneau solaire, donc ouais. T'inquiète, ça il en faut 2 encore. Oh putain, allez 473. Ouais, allez, je vais 77, crever. Faut arriver à 77. Je vais sinon, crever je fais des... Attends, je fais des petits sinon. Ah non, il faut du cobalt, on peut pas. Nick. Nick en manque. Bon bah tant pis. Allez, fais-en. Je suis mort. Dommage. Non. Qu'est-ce qui manque? Fais chier. T'étais où? Eh ben à la grande zone étendue, direction le point rose. Ok. Bon. Ah bah attends, c'est bon. Attends, c'est bon. T'es à la base là? Ouais. Parfait, regarde, j'en pose un et on est bon. Ok. Faut juste pas que je me perde, attends. Je te sens bien sûr de toi là. Ouais, bah oui, parce que là je suis... Ah, et la lumière fut. Et la lumière fut. Et donc du coup nous avons deux extracteurs de minerais ici, voilà, qui sont en train de travailler et qui vont récupérer des minerais en tout genre, mais surtout des minerais classiques. Merde. Ouais, parce que pour l'instant il ne faut que ça, donc... Je l'ai déconstruit. Oh non mais... Qui m'a foutu un ouvrier pareil quoi. Oh mais il y a pas mal de place dans le coffre, dis-moi, cool. On a déjà un c'est fer. Pas un coffre. C'est pas un coffre classique? Non, je pensais au début. Ah, ça a pas là. YOLO. C'est un coffre classique, mais ça a plus de place. Bah, il y a une barre en plus. Il y a un truc en plus, quoi. Mais ça change la donne, ça. Hein. Mais je crois qu'avant, c'était un coffre normal, avant, je crois. Hein. Attends, je l'ai posé pile sur un tas de cailloux. Eh, c'est pas... Bah, mais non, ça l'a... Mais c'est bah, c'est, oui, parce c'est, que... C'est mais fait non. Exprès, c'est fait exprès. Bah, y en a pas ici. Mais si, là. Ouais, mais... Ouais, mais tu te poses trop de questions, Ludo, là. Oui. Oui. Bon, après, oui. Comme dit, l'idéal, dans un avenir proche, c'est de mettre des extracteurs de minerais, genre, dans les cavernes de soufre, dans les cavernes d'osmium. Bah ça, quand on aura les...
téléporteur. Oh là là, téléporteur. Ouais, alors attends, voilà. On débloque ça quand on téléporteur. Ouais, justement, j'attends de voir. Parce qu'à mon avis. Là, non, manipulateur d'ADN, c'est pas ça. Téléporteur. À 25 GTI. Et on est à 3 MTI. Ok, d'accord, on est pas prêt d'avoir ça. Par contre, on aura bientôt récupérateur d'eau de lac. Ça, c'est top. Bon, quoi, on aura des lacs. Oui. Oui. Donc, c'est et bientôt le sac à dos T5 aussi, hein. À 5 millions. On est à 3 millions 23 là. Ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Bah, prochain épisode, il faut qu'on se focus sur ça là. Pour que l'indice augmente. Parce que là, il monte pas assez vite. Tu préfères focus sur lequel en priorité En vrai, la pression elle est pas très haute. Hein. Pression et oxygène. Hein. Pression et oxygène, parce que quand tu regardes la pression, qu'est-ce qu'elle offre la pression? Le réacteur nucléaire T2, l'extracteur de gaz, l'extracteur des minerais T2. Donc ouais, la pression, faut qu'on focus la pression et l'oxygène. Non, l'oxygène pas trop en vrai, parce que ça fait des semoirs d'arbres et des chauffages, c'est pas très important. Alors les semoirs d'arbres, excuse-moi... Ouais, si c'est vrai. En fait, faut qu'on focus les trois, hein, c'est simple. Mais en priorité, la plus la pression, je t'avouerai. Ouais, bon, on va boire. Pour avoir le réacteur nucléaire T2 et être tranquille. Ça marche. Eh ben, on se focusera là-dessus, les amis. En tout cas, grosse régalade. Yes, énorme, hein, même. Hein. Énorme régalade. On a bien avancé, là, putain. On a débloqué plein de trucs. Ah ouais. Les jetpacks. Ah, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Ça fait super plaisir. Je te pointe du doigt comme un malpoli. Incroyable, bah les amis, j'espère que vous avez kiffé ce long épisode qui était bon. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like évidemment et le commentaire, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Approche-toi et fais 7. Fais 7? Pas trop. Ah, on a raté. Ah, vas-y, c'est un check. Ah, presque. Ah, la classe. Non, mais on est un peu Google, mais c'est pas grave. On va y arriver. Check! Yes! Incroyable. C'est superbe. Allez, plein de bisous. Salut Ludo. Salut, gros bisous.